शुचिपूत्रम् अत्र स्वरूपम् रूपम् तस्याग्रचामुरीपुरीम् माथुरीम् कौस्तुवतीम् हरहाकुन्दमगिरिवरम् प्रप्तुयस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय श्रीमपद्मदिव्यचाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः चैतन्यचन्द्राय नमो नमः चैतन्यचन्द्राय नमो नमः भक्ताविना अपराध लक्ष्ये चित्तश्चित्तवारितारङ्गमये कृपामयित्वं शरणं प्रपादं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते शेखर स्मरः स्मुरली मनोर राधिकरसकं मम कृपनिधे सुप्रियचरणकीं कुरीं कुरु त्वैव अस्मि त्वैव अस्मि नाज्वामि त्वया विना देविकाय देवि त्वं नमः चरणान्तिकम् First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotarasatasi Rupa Anuga Charivarya, Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujapad Sri Aristanasam Prabhu and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpaturu Don't be in France. Ne soyez pas en France. Park your body and mind here.
pouvez laisser garer votre corps et votre mental ici. Shila Gurudev ki jai. So leave your body and mind here, and by soul, come with me onto the bank of the Ganges in Varanasi. Donc laissez garer votre corps et votre mental ici, et par votre âme, venez avec moi jusqu'au bord du Gange, sur les berges du Gange à Varanasi. Sit down very quietly near Srila Sanatan Goswami. He's listening to Sri Chaitanya Mahaprabhu instruct him Sanatan Shiksha. Asseyez-vous silencieusement auprès de Srila Sanatan Goswami qui est en train d'écouter les instructions de Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, O Sanatan Goswami, Prahlad Maharaj has spoken, Naisham Matistaravad Uru Kraman Grim Sprashatanata Pagamayadata Mahiyashans Padarajobishekan Nishkinchananam Navrinita Yavat. Unless and until a person is completely abhishikta, showered in the foot dust of a pure devotee, his anarthas, material attachments, they will never disappear. À moins qu'une personne soit totalement douchée par la poussière des pieds d'un pur dévot, alors ses anarthas ne pourront disparaître. Bhakti only comes from the association of the Shuddha Bhaktas, pure devotees. La bhakti, la dévotion, elle vient seulement par la compagnie des purs dévots, des Shuddha Bhakta. Bhaktistu Bhagavat Bhakta Sangena Parijayate. Bhakti comes from association of bhaktas. La bhakti, la dévotion, ça vient de la compagnie des bhakta, des dévots. But where does the association of bhaktas come from? Mais d'où est-ce que la compagnie des bhakta, des dévots vient? Satsanga labhyate pumbi sukita puravasanchitai. Here this verse of Naradiya Purana is saying the association of devotees comes from the satsanga labhyate pumbi sukrita purava sanchitai. The collection of your sukriti, your pious activities from the previous lives. Donc le Naradiya Purana explique que la possibilité d'avoir la compagnie d'un pur dévot vient de l'accumulation de la sukriti, nos actions pieuses de vie antérieure. Now, see, Krishna has described Uddhav that bhaktya sanjataya bhaktya vibrad utpulakam tanum. Bhakti is the cause of bhakti. Mais Krishna a enseigné Uddhava et il lui a dit que la bhakti est la cause de la bhakti. Because bhakti is causeless. Pourquoi? Parce que la bhakti n'a pas de cause. It is transcendental, beyond time and space, beyond cause and effect. La bhakti, la dévotion est transcendantale, au-delà du temps, de l'espace, de la cause et de l'effet. So bhakti, the current of the energy of transcendental devotion is causeless because it is only caused by itself. Le courant de la dévotion, de la bhakti, et n'a pas de cause parce que sa seule cause, c'est elle-même. So why is it said satsanga labhyate pumbi sukrita purva sanchitai, that it's coming from your previous sukriti? Donc alors, comment ça se fait qu'il est dit que la bhakti vient de notre sukriti, nos actions pieuses précédentes? We should understand that there's nothing we can do by which we will get the sadhu sangha. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir la sadhu sangha. Because the sadhus, they have swaira charita. That means they are completely independent. Parce que les sadhus, ils sont totalement indépendants. Asyapi deva vapasa madanugrahasya swaicha mayasya natu bhuta mayasya kopi. Lord Brahma said, Oh my Lord Sri Krishna, you appear in this world swecha mayasya because of the desires of your pure devotees.
Seigneur Brahma, il dit, mon Seigneur Krishna, tu apparais dans ce monde, tu descends dans ce monde pour répondre à l'appel de tes purs dévots. Anugraha bhaktanam manasam dayamasrita. Krishna appears to please his devotees. Krishna apparaît dans ce monde pour faire plaisir à ses dévots. Everything he does is to please his devotees. Tout ce qu'il fait, c'est pour combler de plaisir ses dévots. Mad bhaktanam vinodatam karomi vivida kriya in the Padma Purana. Krishna said, I do so many activities, but I do it all to please my devotees. Krishna dans le Padma Purana, il dit, je fais tellement de choses, d'activités, mais tout ce que je fais, c'est pour plaire à mes dévots. Aham bhakta paradino yasvatantri vadvija. I am not independent. I am controlled by the love of my devotees. Et il dit, je ne suis pas du tout indépendant. En fait, je suis contrôlé par l'amour de mes dévots. But the devotees, swaychamayasya, they are independent. Mais les dévots, eux, sont indépendants. God is not independent. He is controlled by his devotees, but his devotee is independent. Dieu n'est pas indépendant. Il est contrôlé par ses dévots, mais ses dévots, eux, sont indépendants. So those devotees are wandering across the surface of the earth. Donc ces dévots, ils errent sur la surface de la terre. See, Vidura has said to Maitreya Muni. Vidura, il a dit à Maitreya Muni. Janasya Krishnad vimukasya daivad adharmashilasya sudukitasya anugrayena charantinunam bhutani bhavyani janadanasya. The living beings in this world, they do adharma, sinful activities. Les entités vivantes dans ce monde, elles font de l'adharma, des activités pécheresses. And because of this, they are sudukita, very miserable. Et à cause de cela, ils ont plein de misère dans leur vie. And they are vimukasya. Vimukha means their consciousness is turned away from Krishna. Et ils sont vimukha, c'est-à-dire leur conscience est tourne le dos à Krishna. But anugraheya charanti nunam bhutani bhavyani janadanasya, the associates of Sri Krishna, his very near and dear beloved ones, charanti, they are wandering over the surface of the earth to turn the consciousness of the living beings towards Krishna. Mais les compagnons très chers et très intimes à Shri Krishna, ils errent sur la surface de la terre en quête de ces âmes pour retourner leur conscience vers Shri Krishna. So Archaya's comment, charanti is in the present tense. Charanti, c'est un verbe au temps présent. It doesn't mean in the old days, in the good old days, there used to be some devotees wandering on the earth. No, charanti, they are wandering the earth right now. Ça ne veut pas dire il fut un temps où il y avait des grands, des dévots qui se promenaient sur la terre. Non, c'est maintenant. How are they wandering? Comment est-ce qu'ils se promènent? In according to their will, their sweet will. En fait, ils se promènent par rapport à leur propre désir. And when a living entity meets with a pure Vaishnava, then there is a Mangal Uday, the awakening of auspiciousness in his life. Et quand une entité vivante rencontre un tel sadhu, alors il y a la naissance d'un moment très opportun, très auspicieux dans sa vie. Until we meet with our Gurudev, our life was inauspicious. And as soon as we meet our Gurudev, then everything is transformed and becomes auspicious. Tant que nous n'avons pas rencontré notre Gurudev, alors notre vie est très inauspicieuse, très sombre. Puis, quand nous rencontrons notre Gurudev, alors tout s'illumine et devient auspicieux. Once the disciples of Srila Prabhupada, they asked him, oh Srila Prabhupada, what did we do in our previous life to create the good fortune that we have your association? Un jour, les disciples de Srila Prabhupada ont demandé, mais qu'est-ce qu'on a pu faire dans notre vie précédente pour accumuler tellement de bonnes actions, d'actions pieuses, pour pouvoir avoir cette fortune de vous rencontrer? Srila Prabhupada said, nothing. Srila Prabhupada a dit, aucune, rien. I have created your good fortune. J'ai créé votre bonne fortune. So, now Mahaprabhu, he's explaining that by associating with the devotee, Shraddha develops. Mahaprabhu explique que en prenant vraiment la compagnie des dévots, alors Shraddha, la foi, se développe. Yadrichaya matkatado. Jata sradas tuya puman.
na nirvinona ti sakto bhakti yogosya siddhidha. Yadritya, by good fortune, if a person develops sadha, faith in Harikatha, then they can easily attain the perfection by practicing bhakti yoga. Si par bonne fortune une entité vivante développe Shraddha de la foi dans les Harikatha, dans les gloires de Dieu, alors sa vie deviendra parfaite. If they are not nirvinonati sakto, if they're not too detached from the world and not too attached. S'ils ne sont pas trop détachés du monde et pas trop attachés au monde. Someone is too attached to the world, they're too busy doing karmas, so they have no time for bhakti. Quelqu'un trop attaché à ce monde, il est trop occupé à créer des activités du karma, donc il n'a pas le temps pour la bhakti. And someone who is too detached from the world, they have a gyan adhikar, their hearts are very dry, and they just want, whoa, aham brahmasmi, I am Brahman. Tattvamasi, you are Brahman. Sarvam kalvidam Brahman. Everything is Brahman. Et ceux qui sont trop détachés du monde, alors le cœur devient sec et ils veulent simplement s'isoler et être dans la contemplation et dire je suis Brahman, tu es Brahman, tout est Brahman. Pragyanam Brahman. And Brahman is only light of knowledge. Et le Brahman, c'est seulement la lumière de la connaissance. So they are also not interested. Donc bien sûr, ils ne sont pas non plus intéressés dans la bhakti, dans la dévotion. But if a person meets a sadhu, and by yadrichaya, somehow or other, by good fortune. Et si d'une façon ou d'une autre, une entité vivante rencontre un sadhu, then he develops faith in listening to Harikatha and he can easily become perfect. Et qu'il développe vraiment de la foi à écouter ses enseignements, alors très facilement il atteindra la perfection. So this word yadrichaya is in many places in Srimad Bhagavatam by somehow or other, by good fortune. Adrichaya, il est ce mot qui veut dire d'une façon ou d'une autre, par bonne fortune, il est à beaucoup d'endroits dans le Srimad Bhagavatam. So it's a very vague term, but we should. Seems vague, but we should know exactly what it means. Il peut paraître assez vague, mais on devrait vraiment comprendre exactement ce qu'il veut dire. Srila Jiva Goswami has given the definition in Bhakti Sandarbha. Srila Jiva Goswami, dans son Bhakti Sandarbha, a donné la définition de ce mot. Yadrichaya kena api parama swatantra bhagavat bhakta sanga tatkripa dyat mangludayena. It means the auspiciousness that rises up in your life coming from the association of pure devotees who are parama swatantra, supremely independent. Donc cela veut dire les bons auspices, la bonne fortune qui se développe dans votre vie quand vous obtenez la compagnie de ces sadhus qui sont complètement indépendants. So, it is said, bhakti is the cause of bhakti. It means that the bhakti in the heart of a sadhu is the cause of the bhakti in our hearts. Donc quand on dit la bhakti est la cause de la bhakti, ça veut dire que la bhakti qui vit dans le cœur du sadhu est la cause de la bhakti qui peut s'éveiller dans notre cœur. So bhakti is not any type of material phenomena. It has no beginning, it has no end, it has no cause. La bhakti n'est pas un phénomène matériel. Il n'a pas de début, pas de fin et pas de cause. This is what we want. Ça, c'est ce que nous voulons. How to get it? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir, cette bhakti? Chaitanya Mahaprabhu is explaining. Chaitanya Mahaprabhu va l'expliquer après. Mahaprabhu said, hey Sanatan, see Krishna is very merciful. And by aiming his instructions in Bhagavad Gita at Arjuna, he's actually instructed everyone in the world. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, hey Sanatan, Krishna est très miséricordieux. En enseignant Arjuna dans la Bhagavad Gita, en fait, il enseigne le monde entier. So Mahaprabhu is, actually himself is Krishna who has spoken Bhagavad Gita. On sait tous que Chaitanya Mahaprabhu, en fait, c'est ce même Krishna qui a parlé la Bhagavad Gita. But channa kalau samabhavat triyago tasattvam. The Supreme Lord is called Triyuga because though he appears in four yugas, in one of those yugas he hides his identity. So now Krishna has appeared as Chaitanya Mahaprabhu and hiding that he's Krishna with the golden complexion of Srimati Radhika.
le Seigneur suprême est appelé aussi Tri-Yuga, qui veut dire qu'il apparaît en fait dans trois yugas, mais en fait il apparaît dans les quatre yugas simplement. Dans un des quatre yugas, il apparaît caché, c'est un secret. Et donc dans sa forme de Chaitanya Mahaprabhu, il est Dieu, mais caché. So see, Krishna said, Sarva Guyatamam Bhuya Srinu Mei Paramam Bacha Istosi Mei Drida Iti Tato Vakshami Te Hitam Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyajimam Namaskuru Mame Vaisasi Satyam Te Pratijani Priyosi Mei. It means, hey Arjun, because you are very dear to me, now I will speak the highest and most confidential instruction of all, Sarva Guyatamam, the most secret of all secrets. Et Arjuna, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, parce que tu m'es tellement cher, alors maintenant je vais te révéler la plus secrète et la plus haute des instructions. Manmana Bhava. Give your heart fully to me. Donne ton cœur pleinement à moi. That means your mind should be absorbed in me completely, 24 hours a day. Ça veut dire que ton mental devrait être complètement absorbé en moi, constamment, 24 heures par jour. Like my eternal associates, the residents of Braja, Vrindavan. Tout comme mes compagnons éternels à Braja dans le monde spirituel. That is called Ragatmik Bhakti. C'est ce qu'on appelle Ragatmik Bhakti. Eternally perfect devotion. La dévotion éternellement parfaite. Manmana Bhava Mad Bhakto. Okay, if that's too difficult for you, then Bhava Mad Bhakto means then follow Raganuga Bhakti. Be in this world and do sadhana, but inside aspire to have a mood like those eternal associates. Donc si tu ne peux pas suivre ça, alors dans ce monde pratique la Raganuga Bhakti, c'est-à-dire fais tes actes de dévotion, mais intérieurement alors aspire pour développer ce mood de mes compagnons éternels. But to follow Raganuga Bhakti, one needs a very thick greed. Et pour suivre cette Raganuga Bhakti, nous devrions être très désireux. So if your greed, the lobha, is not so strong, then madhyajimam, follow Vaidhi Bhakti and do puja, worship me. Mais si vous n'avez pas cet intense désir de suivre cette Raganuga Bhakti, alors faites la Vaidhi Bhakti, c'est-à-dire l'adoration. If you think, oh, this Vaidhi Bhakti has so many rules and regulations. Mais si vous dites, oh là là, la Vaidhi Bhakti, il y a tellement de règles à suivre et de régulations. And I cannot follow all these things. Et je ne peux pas tout suivre. Krishna very mercifully says, Madhyajam Namaskaru. Okay, just go to the temple and bow down. Krishna dit, okay, simplement va au temple et prosterne-toi. So if you do this, I promise that you will come to me. Et si tu fais ça, je te promets que tu viendras à moi. Because those who will come every day to the temple and bow down to see Krishna, then after some time, they will be purified and they'll engage in Vaidhi Bhakti. Pourquoi? Parce que ceux qui font l'effort de venir tous les jours au temple se prosterner, alors petit à petit le cœur se purifie et ils vont commencer à vouloir s'engager dans la Vaidhi Bhakti. And if they follow Vaidhi Bhakti but under the guidance of a Rasik Vaishnava, then by listening, greed will come and they'll enter into Raganuga Bhakti. Et en pratiquant cette Vaidhi Bhakti sous la guidance d'un Rasik Vaishnava, alors cet intense désir commencera à se manifester dans leur cœur et ils commenceront à pratiquer la Raganuga Bhakti. And by following Raganuga Bhakti, then at the end of this life, they enter into the eternal pastimes of Sri Krishna in Bom Vrindavan, some earth planet in one universe where Krishna's pastimes are appearing. Et en suivant cette Raganuga Bhakti, à la fin de cette vie, ils entreront dans les divertissements de Krishna, dans le Bom Vrindavan, c'est-à-dire la manifestation de Vrindavan dans une des terres, quelque part sur un des univers matériels. And there, they will develop the Ragatmik Bhakti. Et durant cette vie-là, ils vont développer la Ragatmik Bhakti. Hmm? That is, the bhav of the eternal associates will fill them completely. Là, le bhav, les émotions des compagnons éternels de Dieu vont complètement l'emplir. And when Krishna's pastime in that universe is complete, they'll go to the apricot lila, the nitya lila. Et lorsque les divertissements de Krishna dans cet univers particulier se terminent, alors ils seront transférés dans le apricot lila, now, nitya lila. Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami, although Krishna earlier in Bhagavad Gita spoke about karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, but now at the end he's saying
You should not follow all these things, follow this. Pure bhakti. Donc, Mahaprabhu, il explique à Sanatana Goswami, malgré le fait que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il parle du karma yoga, du jnana yoga, du yoga yoga, alors tu devrais suivre le bhakti yoga. So, one may ask a question, for how long do I have to follow the responsibilities of this world? Alors, on pourrait se poser la question, pendant combien de temps devrais-je remplir mon devoir dans ce monde? So, Mahaprabhu, he is quoting one verse now. Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata. Matkata sarvanado va tasava rijayate. The meaning is that one should follow the... one should discharge one's worldly responsibilities as long as one has not become disgusted with them. Donc ce verset dit que nous devrions remplir nos responsabilités matérielles tant que nous ne sommes pas dégoûtés par elles. Just like a jnani has become disgusted, oh, all these activities of the material world, they result in misery, and he becomes renounced. Le jnani, par exemple, renonçant, il réalise à toutes ses activités dans ce monde, en fait, elles m'apportent que de la misère et de la souffrance, donc il devient détaché du monde. Or, that is for the, but for the devotee, matkata sravanado ba sadhaya rijayate. The devotee, as when he gets taste in listening to Harikatha, now he's no longer eligible for doing the worldly responsibilities. Mais pour le dévot, quand il commence à avoir du goût pour le Harikatha, pour tous ses enseignements, alors il est libéré de toutes ses responsabilités matérielles. When he gets faith in the power of Harikatha, then he can just come into the path of bhakti and leave the worldly responsibilities. Lorsqu'il développe vraiment une grande foi pour le Harikatha, alors il peut s'engager pleinement dans le voie de la bhakti et laisser toutes ses responsabilités matérielles. So, now Mahaprabhu is coming to the topic of Shraddha, faith. Maintenant Mahaprabhu arrive sur le sujet de la foi, Shraddha. Shraddha vanjana hoy bhakti adhikari utam madhyama kanishta shraddha anusari. A person is eligible to practice bhakti yoga depending on the development of his faith. It may be the kanishta, the beginning stage, madhyam, the middle stage, or uttam, the highest stage. Quelqu'un est éligible à pratiquer la bhakti par rapport au niveau de sa foi. Il peut avoir une foi de kanishta, de néophyte, de madhyam, de dévot intermédiaire, de uttam, une foi parfaite. So, first of all, it's very important to understand what is a Shraddha. Bien sûr, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est Shraddha. Shraddha tonanya varjam bhaktyon mukhi chitta vritti vishesh. In the Amnaya Sutra, it is mentioned that Shraddha, faith, is a special chitta vritti. It is a sanskar, an impression in the heart, which makes one feel always inclined to serving Krishna and neglectful of all other paths, karma, jnana, yoga, etc. Donc, Shraddha, c'est expliqué dans un sutra que c'est une chitta vritti, une fonction de la conscience, un certain samskar qui fait qu'on développe vraiment de l'attirance pour les activités dévotionnelles et on a une certaine négligence, neglect, to all other paths. Pour tous les autres voies, la voie du karma, du jnana, du yoga. So Mahaprabhu, he is saying, Shraddha shabde vishvas kohe sudra nischai Krishna bhakti kaila sarvakama kritahai. Shraddha is the unflinching conviction and confidence that simply by serving Krishna, all of my other responsibilities have been completed. Shraddha, c'est la ferme conviction que simplement en m'engageant dans la dévotion, toutes mes autres responsabilités sont complètes, ont été complétées. I must serve Krishna. I must not do anything else. Je dois simplement servir Krishna et rien d'autre. Do or die. Fais ça ou meurs. One has to have this determination in spiritual life, otherwise one will be in a state of distraction. On devrait avoir cette détermination dans notre vie spirituelle, sinon on sera constamment distrait. So, Srila Rupa Goswami Pada has described that Shraddha
The faith, which is the eligibility for Vaidhi Bhakti, is called Shastrata Mayi Shraddha, or Shastriya Shraddha. Srila Rupa Goswami a décrit que la foi qui nous rend éligible à la which bhakti Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti. It is a Shastrata Shraddha. Shastrata Shraddha. That means faith in the meaning of the scriptures. Qui est la foi dans les révélations des écritures. If a person thinks, oh, these scriptures are saying we should do this and we should do this, but I don't want to do it. Si quelqu'un dit ah, bon, les textes ils me disent de faire ceci de pas faire cela mais j'y crois pas je veux pas le faire. Then Krishna said you should understand that what I want my will has been expressed in the Shruti and the Smriti. Krishna dit ce que je désire a été exprimé dans les Shruti et les Smriti. So anyone who is going against the scriptural injunctions Krishna said is going against me. Tous ceux qui vont à l'encontre de ces injonctions védiques, alors ils vont à l'encontre de moi, Krishna dit. So any hesitation in regard to following the rules and regulations of the scripture is the hostility towards Krishna himself. Toute hésitation à suivre les recommandations des écritures, alors c'est aussi aller à l'encontre de Krishna lui-même. Any hesitation to surrender to the instructions of Sri Krishna is the aversion to Krishna himself. Toute hésitation de suivre les conseils, les instructions de Krishna, c'est aussi une aversion à Krishna lui-même. So we see that all of our acharyas, my Gurudev, my Param Gurudev Srila Bhakti Prakhan Kesha Maharaj, Srila Prabhupada, all, they very strictly follow the Purushottam Brat, Kartik Brat, Ekadasi, Janmashtami Brat, all of these things. On peut voir que tous nos maîtres spirituels, toute la Parampara et tous les grands acharyas de notre lignée, alors ils sont très très conscients de vraiment suivre toutes les injonctions védiques et comme le mois de Purushottam ou le vœu de Kartik, Janmashtami, etc. Because they love Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Krishna. And if we feel I don't want to do it, this is our animosity towards Krishna himself, actually. Si on se dit, oh, I'm sorry to tell, but I have to say it. Je suis désolé. Because this is the conclusion of Shastra. Je suis désolé de vous dire ça, mais je suis obligé de le dire. C'est les conclusions des écritures. Si on se dit, oh non, j'ai pas envie de le faire, alors ça montre notre certaine animosité envers Krishna. Now, Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami three levels of devotees. Puis, Chaitanya Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami trois niveaux de dévots. Yahara komala shada sei konista jhan, krame krame tenho bhakta hoi be utam. Means, a person whose faith is komala, soft, is called the kanista, neophyte devotee. Une personne dont la foi est très molle, alors on l'appelle un dévot kanishta. But step by step, he can also come to the high stage eventually. Mais petit à petit, pas à pas, il peut s'élever vers des niveaux de conscience supérieure. Now, what is the meaning of komala shraddha, soft faith? Que veut dire komala shraddha, une foi molle? It means his faith is not nirantaryamayi. It is not continuous. Ça veut dire que sa foi n'est pas continue. When faith is firm, then one always believes Krishna is Supreme Lord and Shastra is true. Lorsque quelqu'un a une foi vraiment complètement ferme, alors constamment il sait que Shri Krishna est le Seigneur suprême et que tout ce qu'il dit dans les textes sacrés est vrai. But when the shraddha, the faith is soft, then it's going along, then it's interrupted. Quand la foi est molle, alors elle suit, puis d'un seul coup, ploup, elle s'arrête. By doubts. Par des doutes. Is Krishna really God? Est-ce que Krishna c'est vraiment Dieu? Maybe Allah is God. Peut-être c'est Allah. Maybe Jehovah is God. Peut-être c'est Jéhovah. Maybe Shiva is God or Ganesh. Peut-être Shiva ou Ganesh. So many ideas may come. Beaucoup d'idées peuvent venir. Some doubt. Des doutes. So when and then the next minute we read or we associate with the devotee and we become sure again. But after some time, then again a doubt comes. Mais et puis la minute d'après, on lit un texte, on prend la compagnie d'un dévot, on n'a plus aucun doute. Mais après, de nouveau, le doute nous assaille.
I know you have no experience of this. Je sais que vous avez pas. But anyway, neophyte devotees, that's their experience. Mais les dévots vraiment néophytes, c'est leur expérience. That is called Komala Shraddha, soft faith. C'est ce qu'on appelle Komala Shraddha, la foi molle. So in Gita, see, Krishna said, Sankshayatma Vinashyati. Those who have doubts, oh, they lose everything. They're just ruined. Krishna dit à Bhagavad Gita, ceux qui ont des doutes, alors ils perdent tout, ils sont ruinés. But Shraddhavan Labhate Gyanam. Those who have strong faith, they will attain divine knowledge. Mais ceux qui ont une foi ferme, ils atteindront une connaissance divine. Now someone may say, oh, okay, I understand. Sometimes I have doubts, my faith is soft, it's interrupted. How can it become firm faith, uninterrupted? On pourrait se dire, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens que j'ai une foi molle, parfois j'ai des doutes, etc., etc. Mais comment je pourrais faire pour affermir ma foi? You see, when we believe something in this world, it is only some intellectualization or conceptualization. Vous voyez que lorsque nous croyons quelque chose dans ce monde, c'est simplement un concept mental ou intellectuel. But transcendental faith is not of this world. Mais la foi transcendantale n'est pas de ce monde. Sadatana niyovarjam bhaktun mukhi citta vritti vishesh. It is the attitude which is inclined always to service. So when you serve and serve and serve and you don't stop serving, you'll always feel the Shraddha faith. Alors c'est cette because there's no difference between being engaged in service and this, and that is the symptom of the Shraddha in the heart. They're together. Donc en servant, servant et servant encore, alors constamment nous sentirons cette foi vraiment s'affermir, parce qu'il y a le service, c'est le symptôme d'une foi ferme. So you'll experience when you are serving, you feel strong, and when you stop serving, then all the doubts come. Lorsque vous servez, alors vous sentez cette foi ferme. Si vous vous arrêtez de servir, alors les doutes viennent. In other words, the samskar that was put in your heart by sadhu sangha becomes covered over with your other material samskars, and then when you serve again, it becomes uncovered again. Ce qui veut dire que le samskar qui a été mis par le sadhu sangha dans votre cœur devient recouvert par vos autres samskars matériels. Mais lorsque vous servez, alors ce samskar reprend le dessus. As we associate with sadhus and serve more and more, then these samskars become deeper and deeper until they never become covered over. Et plus nous servons les sadhus, plus nous écoutons les harigatas, alors ces samskars deviennent de plus en plus profonds et ils ne peuvent plus être couverts par quoi que ce soit. So that is the next level, the madhyamadhikari. Et donc nous arrivons au prochain niveau, le madhyamadhikari. Mahaprabhu said, shastra yukti nahi jani dridha sradhavan madhyamadhikari say mahabhagyavan. That person who has very strong faith but is not expert in all the logic and explanations of the scriptures, he is called a madhyamadhikari. Cette personne qui a vraiment une foi très ferme mais qui n'est pas expert dans toutes les écritures et comment les transmettre, alors on l'appelle un madhyamadhikari. He is also considered mahabhagyavan, very fortunate person. Il est également considéré comme quelqu'un de très fortuné. If he will meet someone who puts some arguments that he cannot refute, then he doesn't have a doubt because his faith is strong. But he cannot refute the argument because his knowledge of scripture is not deep enough. S'il rencontre quelqu'un qui va argumenter avec lui, alors peut-être il ne réussira pas à trouver les arguments parce qu'il ne connaît pas assez bien, assez profondément les Écritures, mais lui, sa foi ne sera pas détruite, restera ferme. So he may say, I cannot answer your question on this, but wait there, I'll ask my Gurudev, he knows. Et donc il dira, je ne peux pas répondre à ta question, mais je vais demander à mon Gurudev, lui il sait. I know he knows. Je sais qu'il sait. There's no doubt at all. Il n'y a aucun doute. So then he'll go to his Gurudev and then hear the Shastra Yukti, the proper explanation of scripture. Et il ira vers son Gurudev qui lui donnera les explications des écritures. So that is the Madhyam. Ça c'est le Madhyam. Then Uttamadhikari. Puis Shastra Yukti Sunipun Dridha Shraddha Jya Uttamadhikari Se Tarei Sangsar. Means that person whose faith is very strong
And they are Nippon, Sun Nippon, very, very expert in Veda, Vedanta, Upanishad, Puranas, and all in Shastra, and especially in our line, in the writings of our six Goswamis and so on. Uttamadhikari, c'est celui qui a non seulement une foi ferme, mais qui est expert dans tous les Vedas, les Upanishads, le Gita, etc. Et spécialement dans les écritures pour nous des six Goswamis. So, his faith is very strong and also expert in scripture both. Et donc il est à la fois une foi ferme et il est expert dans les textes sacrés. Such a person can deliver the whole world. Une telle personne peut délivrer le monde entier. So far, Chaitanya Mahaprabhu has described three levels of adhikari or eligibility according to Vaidhi Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu a décrit jusque-là trois niveaux d'adhikari, d'éligibilité par rapport à la Vaidhi Bhakti. Mm-hmm. Now, he is going to explain the three levels of adhikari in Bhagavat Marga or in Raganuga Bhakti. Puis il va décrire les trois niveaux de Bhakti dans la Raganuga Bhakti. In a conversation between Nimi Maharaj and Kavi Yogendra, the levels of devotees have been explained and Mahaprabhu will quote three verses, one for each level of devotee. Dans la discussion entre Nimi Maharaj et les Nava Yogendra, alors les niveaux de dévots ont été expliqués. This is first the Prakrita Bhakta, the devotee who is devotee but still materialistic. D'abord, il y a le Prakrita Bhakta, le dévot qui est un dévot mais encore très matérialiste. Because pure bhakti has not manifested its true swarup in his heart yet. La pure bhakti n'a pas encore manifesté sa pure forme dans son cœur. Then he will explain the Madhyam Bhagavat. Puis, il va expliquer le Madhyam Bhagavat. And then the Uttam Bhagavat. Et ensuite le Uttam Bhagavat. So, what is the difference? Quelle est la différence? In the first discussion of Kanishtha Adhikari, Madhyam Adhikari and Uttam Adhikari, the Kanishtha Adhikari is from Shraddha up to the Anatta Nivritti. Dans la première classification de Kanishtha Madhyam Uttam, le Kanishtha, il va de Shraddha jusqu'à Anatta Nivritti. Yes, from Shraddha up to Anatta Nivritti, because his Anattas haven't all gone. Parce que ses Anattas ne sont pas encore quitté son cœur. Then, the Madhyam Adhikari is in the stage of Nishtha. Puis le Madhyam Adhikari est au niveau de Nishtha. Because Nishtha means the faith is strong, it's not soft anymore. Parce que Nishtha veut dire que la foi est ferme, elle n'est pas molle. But molle. Even in the stage of Nishtha, the true nature of Shuddha Bhakti has not manifested yet. Mais même au niveau de Nishtha, la vraie nature de la Bhakti ne s'est pas encore manifestée. Therefore, Shastra Yukti Nahi Jani. Because of the absence of the movement of the Shuddha Bhakti in his heart, there are things in the scripture he cannot understand. À cause du manque de mouvement de cette pure bhakti dans son cœur, il y a certaines choses des écritures qu'il ne peut pas comprendre. Then in this analysis, the Uttam Adhikari is from Ruchi. Dans cette analyse, l'Uttam Adhikari c'est à partir de Ruchi. This is in Vaidhi Mark. Ça c'est dans la voie de Vaidhi. So the Uttam Adhikari has Ruchi because in the stage of Ruchi, now the real nature of Bhakti has manifested. He has tastes in Krishna's name, form, qualities. Au niveau de Ruchi, alors il goûte vraiment le nom, la forme, les attributs et les divertissements. And because Bhakti is very delicious. Et parce que la bhakti est délicieuse. So if a person does not have ruchi, a taste in that, then he is not really experiencing the nature of bhakti. Because by nature it's very tasty. Il n'est pas au niveau de ruchi, ça veut dire qu'il ne peut pas goûter cette l'ambroisie de la bhakti. So Rupa Goswami in Bhaktirasamrita Sindhu, he says, Swalpapi ruchi eva syad bhakti tattva vabodhikaha. When a little ruchi appears in the heart, at that point, you can understand all Bhakti Tattva. Srila Rupa Goswami, dans son Bhaktirasamrita Sindhu, il dit que quand il y a une petite goutte de ruchi qui arrive dans le cœur, alors on peut comprendre tous les Bhakti Tattva.
And so therefore, Shastra Yukti Sunipun. Now the person becomes expert and can understand what Shastra is explaining. Et c'est pour ça que la personne devient experte et elle peut comprendre tout ce que les textes sacrés expliquent. Now we coming to Mahaprabhu's description of those on the Bhagavat mark, on the Raganuga Bhakti, Prakrita Bhakta, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. Là on arrive donc dans l'explication de Chaitanya Mahaprabhu sur la voie de la Raganuga Bhakti, donc les Madhyam, les Kanishta Madhyam et Uttam. Prakrita Bhakta, Prakrita Bhakta, Madhyam Bhagavat and Uttam Bhagavat. So the Prakrita Bhakta is from Shraddha up to and including Nishta. Ok, sur les Prakrita Bhakta, ils vont de Shraddha jusqu'à Nishta, incluant Nishta. And the Madhyam Bhagavat is from Ruchi up to Bhav. Madhyam Bhagavat, c'est de Ruchi jusqu'à Bhav. And the Uttam Bhagavat is from Prem onwards, Prem's Neyaman, Pranaya, Raga, Raga. Et les Uttam Bhagavat, c'est de Prem et tout ce qu'il y a après. So now Mahaprabhu will explain this. First of all, the Prakrita Bhakta. Archayam eva haraye pujam yasradayate na tad bhakteshu chanyeshu sa bhakta prakrita smritaha. That person who has faith in puja, that means worshipping the deity, faith in puja and in his guru, but he does not know how to associate with other advanced devotees and interact with other living persons. He is called the prakrita or materialistic devotee. Donc un dévot prakrita ou matérialistique, c'est quelqu'un qui a cette foi dans les écritures, dans la bhakti, mais qui ne sait pas comment relationner avec les autres entités vivantes. So, Srila Prabhupada is giving a very beautiful translation, which is more like a purport, a deep insight into the implications of this verse. Srila Prabhupada donne une teneur et portée très très profonde sur la teneur de ce verset. This morning, a question was asked. Who asked the question? I think Rasik Shekhar. Ce matin, il y a une question qui a été posée par Rasik Shekhar. And we were saying that the Prakrita Bhakta, he thinks that he is doing Smaranam and doing Kirtanam, but really he is doing Archan. Le Prakrita Bhakta, en fait, il pense qu'il fait Kirtanam, Shravanam, mais en fait, il fait simplement Archanam. Because he has not understood the real nature of hearing, chanting and remembering. Parce qu'il n'a pas compris la réelle nature de l'écoute du chant et du souvenir. When you do Shravanam, the sound enters the ear and reveals Krishna's form in the heart. Quand vous faites Shravanam, alors le son entre dans l'oreille et révèle la forme de Krishna dans le cœur. When you do Kirtanam, you chant, then you begin to see the reflection of Krishna's swarup in your heart. Lorsque vous chantez Kirtanam, alors vous percevez la réflexion de la forme de Krishna dans votre cœur. And when you are examining, you are investigating that beautiful form with your mind, that is called Smaranam. Et lorsque vous enquêtez sur cette merveilleuse forme de Krishna dans votre cœur que vous percevez, vous faites Smaranam. But the neophyte devotee is thinking, if I am remembering the words of the Harikatha that I heard from someone, now I am doing Smaranam of Krishna's Leela. Mais le Prakrita, le dévot Prakrita, alors il pense que si je me souviens simplement des mots de l'enseignement de la Harikatha, alors je fais Smaranam les Lilas de Krishna. He's remembering some words that he heard. He's never seen the Lila. How can you remember something that you have never seen? Il se souvient simplement des mots qu'il a entendus. Il n'a pas perçu, il n'a pas vu le divertissement. But he's not thinking in this way. Mais il ne pense pas de cette façon. So his hearing, chanting and remembering actually is part of his puja to the deity. He's serving the deity, he's singing some songs about the deity, he's hearing about the deity. It's archan, it's not actually the angas of bhakti, sravanam, kirtanam, smaranam. Donc toutes ces actions, ces activités dévotionnelles, sa puja, etc., ça fait partie de archanam. So this is the deep meaning of the verse. Archayam eva hare pujam ya sadayate. The person who has faith in Archan, whether he knows it's Archan or not, but that's all his faith is, that is called the Prakrita or materialistic devotee. Une personne qui a seulement foi dans Archanam, qui en soit conscient ou pas, c'est ce qu'on appelle un Prakrita ou un dévot matérialiste. Because what we are discussing here is the difference between Tattva Vichar, the actual deep understanding of the scripture, and Apara Vichar, that is just the...
a general analysis according to your own limited conception. Donc là, nous discutons la différence entre Tadvavichar, qui est vraiment la compréhension profonde des Écritures, et Aparavichar, qui est simplement une compréhension générale par rapport à notre propre éligibilité. Tadvavichar is paravichar, transcendental consideration, and aparavichar is a material understanding. Tadvavichar, c'est paravichar, c'est-à-dire vraiment une compréhension transcendantale, et aparavichar, c'est simplement une compréhension. So this verse is very deep. Ce verset est très profond. Now listen to Srila Prabhupada's translation. He says, and this whole sentence he's saying is not there in the verse, in the Sanskrit, but it's the deep understanding of it. Srila Prabhupada said, a Prakrita Bhakta or materialistic devotee does not purposefully study the Shastra and try to understand the actual standard of pure devotional service. So, the Prakrita Bhakti or materialistic devotee, le dévot matérialiste, does not purposefully make a deep study of the scripture to try to understand what is the actual standard of devotional service. Ne fait pas un effort conscient d'aller vraiment en profondeur étudier les écritures pour comprendre ce qui est vraiment le réel standard de la dévotion pure. Yes, so the more you go into the Siddhanta, the more you can appreciate. Srila Prabhupada's translations are perfect and amazing. Le plus vous allez profondément dans le Siddhanta, le plus vous pouvez apprécier les teneurs et portées de Srila Prabhupada comme elles sont incroyables. He's bringing out the subtle points which are there in the implications of the verse that we cannot find by ourselves. Il fait ressortir tous les points subtils qui sont impliqués dans ce verset que nous ne pouvons pas nous extraire. Hein? So now we come to the Madhyama. Maintenant nous arrivons au Madhyama. The Kanishtha respects his guru, but he might not respect other people's gurus. Le Kanishtha, il respecte son maître spirituel, mais peut-être il va pas respecter les autres gurus. And other Vaishnavas. Et d'autres Vaishnavas. But the Madhyama Adhikari, he has love for the devotees. Mais le Madhyama Adhikari, il a de l'amour pour les dévots. All the devotees, he loves them. Tous les dévots, il les aime. Those who are his god brothers, those who are not his god brothers. Ceux qui sont ses frères en Dieu, ceux qui sont pas ses frères en Dieu. Those who are in his parampara, those who are in another parampara. Ceux qui sont dans sam parampara ou qui sont dans une autre. Those who are even in his sampradaya or in another sampradaya. Ceux qui sont dans sa sampradaya ou même qui sont dans une autre sampradaya. He loves all the devotees and knows how to interact with them in a way which is full of joy. Il aime tous les dévots et il est capable d'interagir avec eux d'une façon pleine de joie. He has no sectarian spirit at all. Il a aucun esprit sectaire. Others may have other moods, and he appreciates that, and he stays in his own mood. But he is very open-hearted and loving to everyone. Bien sûr, il reste dans son propre mood et il reconnaît le mood différent d'autres, mais il arrive à les apprécier. So, here's the explanation of the Kavi Yogendra. He's saying, Ishware tada dineshu baliseshu dvisatsucha prema maitri kripopeksha sakaroti samadhyamaha. The Madhyam Bhagavat is that person who interacts with four entities in four different ways. Le Madhyam Bhagavat, il interagit avec quatre différents types d'entités vivantes de quatre façons différentes. First of all, towards Ishwara, to God, he has prem. Now prem here just means Shuddha Bhakti, pure devotion. He's not actually in the stage of prem. So prem here means he has affection for the Lord. Alors d'abord, pour le Seigneur Suprême, il a prem, mais prem qui est traduit là, pas comme de l'amour divin, mais de l'affection pour Dieu. Then, Ishtada Dineshu, he has maitri, friendship with all the devotees who have surrendered to the Lord. Puis, il a de l'amitié envers tous les dévots qui se sont abandonnés à Dieu. Prema maitri kripa. Kripa means he shows mercy to the innocent persons. Puis il montre de la miséricorde aux personnes innocentes. Those who are open-minded and interested, oh, what is this Krishna consciousness about? Ceux qui sont ouverts d'esprit et qui sont curieux, mais c'est quoi? So he shows mercy to them. Donc il leur montre de la miséricorde. And then dvisatsucha, to those who are against bhakti, those who are inimical, he does the upeksha, that means
negligence. He avoids them, neglects them. Et ceux qui sont hostiles à la bhakti, alors il les évite. So that negligence is not spiteful. Bien sûr, c'est pas de la négligence méchante. He's thinking that if I talk to this person more, he'll make more offenses. So out of kindness to the envious person, he's avoiding him to save him from making his own situation worse. Donc c'est une négligence bienveillante parce que si il sait que s'il allait parler à ces personnes-là, alors ces personnes-là insulteraient et feraient des offenses, et donc pour leur bien, il va de loin, il va les négliger mais de façon bienveillante. So that devotee, when he sees the envious person, he'll avoid them, but he may pray to Krishna. Oh, may his life become fortunate one day. Bien sûr, il évite ces personnes envieuses, mais il va quand même prier. Oh, Krishna, fait quelque chose pour que la vie de ces âmes puisse s'améliorer. So now we're coming to the Uttam Bhagavata. Maintenant nous arrivons à Uttam Bhagavata. Mr. Ruchi Asakti Bhav Prem, who has attained the stage of perfect love. Ceux qui ont atteint le niveau de l'amour parfait. So now, here the description of the person who has become perfect in bhakti. La description de quelqu'un qui est devenu parfait dans la bhakti. Sarva bhuteshu yapasyat bhagavat bhavam atmanaha bhutani bhagavatman esha bhagavat uttama. That person who sees sarva bhuteshu in every living entity, his Ishtadev, he sees Krishna in everyone and sees everyone also in Krishna. He is called the Uttam Bhagavat. Uttam Bhagavat, c'est celui qui voit son Ishtadev dans le cœur de chaque entité vivante. Partout, il voit Krishna. Et il voit aussi que tout le monde est en Krishna. So, the Uttam Bhagavat is of three types. Il y a trois types d'Uttam Bhagavat. They are called Murchita Kasai, Nirduta Kasai, and Bhagavat Parshad Deha Prapt. We'll tell the last one first. Bhagavat Parshad Deha Prapt means the person who has attained a spiritual form in Krishna's pastimes. Celui qui a atteint sa forme spirituelle dans les divertissements de Krishna. They have no sadhak form as a practicing devotee. They only have their eternal form. Ils n'ont pas de forme de sadhaka dans ce monde de dévots qui pratiquent. Il a plus de sa forme dans le monde spirituel. So the example is Narada Muni. L'exemple c'est Narada Muni. Try to pay. I know it's difficult, but try to pay attention. C'est difficile, mais essayez d'être attentif. In the first canto of Srimad Bhagavatam, Narada tells his own history. Dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, Narada Muni raconte sa propre histoire. How he was initiated by his guru. Comment il a été initié par son maître spirituel. And how afterwards he was traveling everywhere, singing and dancing. Comment après il voyageait partout en chantant et en dansant. And the Supreme Lord used, whenever he was doing kirtan, the Supreme Lord would appear on the lotus of his heart. Et à chaque fois qu'il faisait le kirtan, le Seigneur suprême apparaissait sur le lotus de son cœur. And then one day he had the darshan, direct darshan of the Lord, just for a second, and then he disappeared. Un jour il a eu le darshan direct du Seigneur pour une seconde, puis il a disparu. And he heard a voice saying, oh, you will not see me again in this life. Il a entendu une voix qui dit, tu ne me verras plus dans cette vie. And then he was in great separation. Il était dans une grande séparation. And weeping and weeping. Il pleurait, il pleurait. Then the end of his life came. Alors la fin de sa vie est venue. Prayujamane mahitam shuddham bhagavatim tanum arabdha karma nirvano nyapata pancha bhautika
means at the last moment of his life, just as lightning and illumination appear together, in the same way, he gave up his body in this world and a beautiful transcendental Parshat Swarup appeared. And he accepted an eternal spiritual body. Et tout comme quand il y a un éclair, au même moment il y a une grande lumière, alors au moment où il a quitté son cœur, tout de suite il y a sa forme spirituelle qui a apparu instantanément. So that is called Bhagavad Bhagavad Parshad Deha Prapt. A person who has attained their perfect spiritual form. Then, the next example is called Nirduta Kashai. And the example is Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami is not Shukadeva Goswami in Krishna Lila. In this world, he is the son of Vyasadev. But his heart is Nirdut Kasai, that means completely clean of all material contamination. So that's the second type of Uttam Bhagavat. He did not get his transcendental form yet, but his heart is totally pure. Il n'a pas encore sa forme transcendantale, mais son cœur est totalement pur. Then, the next type is called Murchita Kasai. Le prochain c'est Murchita Kasai. Kasai means some contamination in the form of some impressions. Kashai, c'est contamination sous forme d'impression. And Murchita means fainted. Et Murchita veut dire s'évanouir. In other words, he still has a little contamination of impressions, but those impressions are all dormant, they're all sleeping. Donc, en d'autres mots, il a toujours la contamination, mais ces contaminations sont dormantes, elles dorment. So, they don't affect him at all. Donc elle ne l'affecte pas du tout. So the example of that is Narad Muni before he attained his spiritual body, when the Lord appeared and then disappeared and said, those who are not completely pure cannot see me in this life. It was because he had a Murchita Kasai, some little contamination, but it was sleeping. Donc l'exemple de cela, c'est Narada Muni qui a eu la vision de Krishna, mais qui il a entendu une voix qui disait « Ceux qui ne sont pas complètement purs ne pourront pas me voir dans cette vie-là. » Parce qu'il avait encore un tout petit peu de contamination dans le cœur. Yeah, so, these are the three levels of Uttam Bhagavat. From the lowest level, Murchita Kasai, a little contamination is there, but in a dormant position. Donc ce sont les trois niveaux de Uttam Bhagavat, depuis celui qui a un petit peu de contamination dans le cœur. But it's a dormant. The samskaras are dormant, they're not active. Les samskaras ne sont pas actifs, ils sont dormants dans le cœur. So they're not affecting his devotion. Et ils n'affectent pas sa dévotion. So that example is Narad before he attained his eternal swarup. Donc l'exemple c'est Narada Muni avant qu'il atteigne sa swarup éternel. Another example of the Murchita Kasai is Bharat Maharaj. Un autre exemple de Murchita Kasai c'est Bharat Maharaj. His heart was pure. Son cœur était pur. When he was remembering the Lord, he was seeing the Lord in his heart and crying tears of bhava. Quand il se souvenait du Seigneur, il voyait le Seigneur dans son cœur et il pleurait des larmes de bhava. And his samskaras, some contamination was there, but it was sleeping. Et il avait des samskaras qui c'est une certaine contamination, mais ils étaient dormants dans son cœur. Now Krishna wanted him to advance very quickly. Mais Krishna voulait qu'il avance très très vite. So ordinarily, that samskara could not wake up, but Krishna made it wake up, so that he would become attached to the deer. Et normalement, ce samskara ne pouvait pas s'éveiller, mais Krishna l'a fait se réveiller et de cette façon-là, il est devenu attaché à la biche, au petit faon. Et parce qu'il avait été attaché au faon, alors dans sa vie d'après, il est devenu un petit faon. And then, after that life was over, in his next life, now he was completely pure, because in the life of the deer he was crying and lamenting so much. Et parce que dans sa vie de faon, il a pleuré. He remembered his previous life. Il se lamentait parce qu'il se souvenait de sa vie antérieure. Alors dans sa vie d'après, comme Jatbarat, il est devenu complètement pur. So some
sometimes with a very advanced devotee, Krishna can wake up a sleeping sanskar in order to make him more humble and advance very quickly. Parfois dans la vie d'un dévot, Krishna peut éveiller un samskar dormant pour le faire vraiment intensifier sa bhakti pour qu'il avance plus vite. So the example is Jat Bharat. Bharat Maharaj before he became Jat Bharat. L'exemple c'est Bharat Maharaj avant qu'il devienne Jat Bharat. So then the next stage is a Nirdut Kasai, completely clean. Puis Nirdut Kasai, complètement pur. There is no samskar in the heart at all. Il n'y a aucun samskar dans le cœur. They are not coming into the mind at all. Ils ne montent pas dans le mental, Not even in dreams. Pas même dans les rêves. Maybe you follow all the principles of bhakti very nicely, but maybe in your dreams you may break the principle. Peut-être vous suivez tous les principes de la bhakti, mais dans un rêve vous allez casser un principe. When you are asleep. Quand vous dormez. Why? Pourquoi? Because the samskara is, you are not doing it, but the samskara is still there and it's activated during the swapna, the dream state. Parce que les samskars sont encore là. Peut-être vous ne les vivez pas, mais quand vous dormez, ils sont activés. So that means you are not Nirdut Kasai, you are not Murchita Kasai. Ça veut dire que vous n'êtes à aucun de ces deux niveaux. Just Kasai. Kasai. Contaminated. Contaminé. So these symptoms we can judge ourselves by the symptoms. Et donc ça on peut être introspectif et se juger nous-mêmes par les symptômes. Shukadev Goswami, he is such a person. He was wandering here and there, absorbed in Brahman. Shukadev Goswami, il était complètement absorbé dans le Brahman. Just as a person who is drunk does not know whether his shirt is on or his shirt is off. The person who is absorbed in Brahman like that does not know whether his body is on or his body is off. Tout comme un alcoolique, lorsqu'il est sous, il ne peut pas savoir s'il a un t-shirt sur lui ou pas. Quelqu'un qui est complètement absorbé dans le Brahman, il ne peut pas savoir si son corps, il habille son corps ou son corps n'est plus là. He does not know if his body is standing or sitting, whether his body went somewhere or whether his body came back. He doesn't know. Il ne peut pas savoir si son corps est assis, debout, si son corps est parti quelque part ou même revenu. So, but from that stage, Shukadev Goswami, when he heard the verses of Srimad Bhagavatam sung by Vyasadeva's disciples, then his realization of Krishna was awakened. Mais lorsqu'il a entendu les versets du Srimad Bhagavatam chantés par des disciples de Vyasadeva, alors tout est remonté dans son cœur. So he was already a Mukta Mahapurush, completely liberated. C'était déjà un Mukta Mahapurush, un être complètement libéré. And then he became Nirdut Kasai Uttam Bhagavat. Puis il est devenu Nirdut Kasai Mahabhagavat. Then the last level is the Bhagavat Parshad Deha Prapt, one who has his spiritual form. Puis il y a celui, le dernier, qui a sa forme spirituelle. Like Narada said, when I got this spiritual form, then I was free. I could travel anywhere in the material universe, or even in the spiritual world. I could just go anywhere without any obstruction in that spiritual, eternal body. Satchidananda. Narada Muni a dit, quand j'ai eu ce corps spirituel, alors j'avais plus aucune obstruction. Je pouvais voyager dans les mondes matériels et dans le monde spirituel. So now, come to the very beautiful description of the vision of the Uttam Bhagavata. Et là, nous venons dans la très belle description de la vision de l'Uttam Bhagavata. The Madhyam Bhagavat sees, oh, you are a devotee, you are innocent, you are envious. But the Uttam Bhagavat only sees, oh, Krishna everywhere. Le Madhyam Bhagavat, il dit, oh, tu es un dévot, oh, tu es mon ami, oh, tu es envieux, oh, tu es plus avancé que moi, alors que le Uttam Bhagavat, il voit Krishna partout. So, let's examine the verse very deeply. Examinons le verset très profondément. Sarva bhuteshu yapasyat bhagavat bhavam atmanaha bhutani bhagavat tatman esha bhagavat uttama. It means he sees Krishna in everything and he sees in everything. Everything is in Krishna. So Krishna is in everything, or he sees that everything is in Krishna. En fait, il voit que Krishna est en toute chose, et il voit toute chose est en Krishna. Now, so there are two examples to help us understand
Il y a deux exemples pour nous aider à comprendre cela. You know that Hiranyakashipu said to Prahlad Maharaj, you are always talking about some god greater than me. Hiranyakashipu, il dit à Prahlad, tu es tout le temps en train de parler d'un dieu qui est plus élevé que moi. But where is this god you talk about? Mais il est où ce ton dieu dont tu parles là? Prahlad Maharaj said, he is everywhere. Prahlad Maharaj, il est partout. Hiranyakashipu said, is he in this stone pillar? Ah bon, alors est-ce qu'il est dans ce pilier là en pierre? Prahlad Maharaj looked and there in the pillar he saw Lord Nrisingadev was there and winking at him. Et là, Prahlad Maharaj a regardé, il a vu Lord Nrisingadev qui lui faisait des petits clins d'œil depuis le pilier. And Prahlad Maharaj, when he saw Lord Nrisingadev, then Prahlad Maharaj said to Hiranyakashipu, yes, he's in the pillar. Alors quand Prahlad Maharaj a vu le clin d'œil de Nrisingadev, alors il a dit à Hiranyakashipu, oui, il est dans le pilier. So this is what it means to see your Ishtadev in everything. C'est ce que veut dire voir son Ishtadev en toute chose. Now what does it mean to see everything in your Ishtadev? Et que veut dire de voir tout dans votre Ishtadev? Perhaps you know that once Krishna went out onto the bank of Jamuna at Brahmanda Ghat in Gokul Mahavan. Peut-être vous vous souvenez qu'un jour le petit Krishna est venu à Brahmanda Ghat, à Gokul Mahavan, sur les bords de la Yamuna. And he was playing with his friends. Il jouait avec ses amis. Then Krishna, he thought, I wonder what this dust tastes like. Et Krishna s'est dit, oh, je me demande quel goût a cette terre. Okay? Because the dust of Braj means the dust of the feet of the pure Vaishnavas. Parce que bien sûr, la terre de Braj, c'est la poussière des pieds des pure Vaishnavas. So Krishna was saying, what does it taste like? And he was eating dirt. Krishna s'est dit, comment ça goûte de manger de cette terre? So one of the little friends of Krishna went to Mother Yashoda and said, oh Yashoda, yeah, your son is eating dirt. Un des amis de Krishna est allé voir Mère Yashoda et a dit, Yashoda Maya, ton enfant mange de la terre. So Mother Yashoda, she stopped her work in the kitchen and said, oh, what's going on? I feed him so many delicious things. Don't I feed him enough? Now he's eating dirt. Mère Yashoda dit, mais je lui cuisine des choses tellement bonnes et ça lui suffit pas, maintenant il faut qu'il aille manger de la terre. So she came out onto the bank of the Jamuna there and said, oh lala, have you been eating dirt? Donc elle est sortie, elle est allée au bord de Yamuna, elle dit, hey, lala, est-ce que tu as mangé de la terre? Oh, Krishna, just a little boy, about 3 years old. Krishna, c'était un petit enfant, il avait 3 ans. He said, na ham pakshatavan ambe. Oh, mother, I have not eaten dirt. Il a dit, oh, mère, non, je n'ai pas mangé de terre. So then Mother Yashoda said, but your friends are telling me that you have eaten dirt. Mais tous tes amis me disent que tu as mangé de la terre. He said, oh mother, I can explain everything. Oh mère, je peux tout expliquer. When I came here today, my friends had been stealing sweets. Quand je suis venu ici aujourd'hui, mes amis volaient des sucreries. And they all came and they were showing to each other what they had stolen. Look what I have stolen. Look what I have stolen. Ils sont tous venus en disant, regarde ce que j'ai volé, regarde ce que j'ai volé. And they were tasting each other's sweets. Et ils goûtaient les différentes confiseries les uns les autres. Then, oh mother, they came to me and said, Krishna, do you want to try some of this? Et ils sont venus à moi, ils ont dit, tu veux essayer la sucrerie? And oh mother, I said to them, no, I never eat stolen things. Et j'ai dit, oh, non, moi je ne mange jamais de choses qui sont volées. So then when I said this, they became afraid. And they thought that I would tell their parents that they had been stealing. Et quand j'ai dit ça, en fait, je pense qu'ils ont été apeurés que j'aille dire à leurs parents qu'ils avaient volé des sucreries. So, before they could get in trouble, they made this story up about me to put me in trouble. Et en fait, avant qu'ils aient des problèmes, alors ils ont inventé toute cette histoire de manger de la terre pour que ce moi qui soit en problème. So then, Mother Yashoda said, oh, but Balaram, he's a very good boy. Your brother Balaram, he's saying that you have eaten dirt. Mais même Balaram, qui est un très bon garçon, il dit aussi qu'il a mangé de la terre. Hein? So then Krishna said, oh mother, I can explain. Oh mais maman, je peux t'expliquer. Actually, when I came here, I saw that Balaram was eating dirt. En fait, quand je suis venu là, j'ai vu que Balaram était en train de manger de la terre. And when he saw that I had seen him, then he told one boy to tell you that I was eating dirt. So that when you came to chastise him, then he would blame me.
En fait, il a dit. Then no one, children are like this. He did it. No, he did it. Like this to confuse the parents. Il a dit à un de ses amis, va dire à Maria Shoda que Krishna a mangé de la terre, comme ça quand elle va venir et qu'elle voudra me châtier, en fait, on pourra divertir son attention en disant non, c'est Krishna qui a mangé de la terre. Because he thought, if he will tell you that I am eating dirt, then when I tell the truth about him, I will look like a liar. Parce que si elle sait que j'ai mangé de la terre, quand je vais lui dire que c'est Krishna qui a mangé de la terre, alors elle va se dire c'est un menteur. But I am not a liar. Mais je ne suis pas un menteur. Krishna always tells the truth. Krishna dit toujours la vérité. The demigods prayed to Krishna when he was in the womb. Oh, satyabratam satyaparam trisatyam. You always tell the truth. You are the truth in the past, the present and the future. Les devas, quand il était dans le sein de Devaki dans la prison de Kamsha, alors ils sont venus prier et ils ont dit, oh, tu es celui qui dit toujours la vérité. So Mother Yasoda said, all right. Open your mouth, let me look inside. Maria se dit, ok, simplement ouvre ta petite bouche que je regarde à l'intérieur. So then Krishna said, oh no, now I'm in trouble. Et là Krishna s'est dit, ah mince, là je vais me faire griller. So he opened his mouth. Alors il a ouvert sa bouche. And he was just bracing himself for the chastisement of his mother that would come. Et il se préparait à recevoir le châtiment de sa mère. So just at that moment, Krishna's Aishwarya Shakti thought, he's playing like a baby. I cannot serve him, but now I have a chance. Et là, son Aishwarya Shakti, sa Shakti d'opulence, elle s'est dit, en ce moment, il a son divertissement de bébé, je peux jamais le servir, mais là, il y a un moment où je peux enfin le servir. So then the Aishwarya Shakti manifested the vision of all the universes inside Krishna, to Mother Yashoda. Son Aishwarya Shakti, elle a manifesté la vision de tout l'univers à l'intérieur de sa petite bouche. And when she saw this, she was amazed. Oh, what did I see? Et Maria Shoda, quand elle a vu ça, elle était complètement stupéfaite. Mais qu'est-ce que je vois? Is this real or is it illusion? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une illusion? Am I dreaming or am I awake? Est-ce que je rêve ou est-ce que je suis éveillé? Did I go crazy? Est-ce que je deviens folle? Or is it the influence of a boot, a ghost? Ou est-ce que c'est l'influence d'un bouddha? Or a pisachi, a witch? Ou une sorcière? She was very worried. Elle était très inquiète. And she just embraced Krishna. Et simplement, elle a embrassé le petit Krishna. And she prayed to God, not to Krishna, to God. Et elle a prié à Dieu, pas à Krishna, mais à Dieu. Oh God. Oh Seigneur. By whose illusory energy I am thinking I am the wife of Nanda and the mother of Krishna. Oh Seigneur, par ton énergie illusoire, je pense que je suis la femme de Nanda Maharaj et la mère de Krishna. Please protect my boy. S'il te plaît, protège mon enfant. So she was thinking, she decided in the end that it was the influence of some Kala Jadu, that means Tantra, black magic. Et donc à la fin elle s'est dit c'est sans doute l'influence de la magie noire. She thought, oh, now everything makes sense. Elle s'est dit en fait c'est ça, tout fait sens. My boy is so good, but he keeps running here and there. I hear so many complaints that he's stealing from house to house. It must be because someone has done some Tantra on my boy. Mon enfant est tellement bon, mais il y a tout le temps des histoires qu'il va voler ici et là. Il doit y avoir une influence tantrique sur mon enfant. Ghost is disturbing. Il doit y avoir un esprit qui le perturbe. So she called the brahmanas. Oh, please do some yagya to purify my son. Elle a appelé des brahmanas. S'il vous plaît, faites des sacrifices pour purifier mon enfant. So they mixed the cow dung and cow urine and smeared it all over Krishna to purify him. Ils ont mélangé de la bouse de vache avec de l'urine de vache et ils l'ont appliqué sur le corps de Krishna. Only the sound of his name can purify the whole universe, but in Braj they try to purify Krishna with cow dung. Seulement le son de son nom peut purifier des univers innombrables, mais à Braj, pour purifier Krishna, ils prennent de la bouse de vache. So you see, don't think that Krishna showed the universal form to Mother Yashoda. Ne pensez pas que Krishna a montré la forme universelle à Mère Yashoda. Like in the Gita, Arjuna said, oh Krishna, can you show me your universal form? Krishna said, yes, pasame yoga maishwaram, see my opulence. Et dans la Bhagavad Gita, là, c'est Arjuna qui demande à Krishna, montre-moi ta forme universelle. Et Krishna, when Krishna opened his mouth to show his mother, Krishna was afraid, oh no, now I am in big trouble. Alors que quand Krishna a ouvert sa bouche pour montrer Mère Yashoda,
Alors il se disait, aïe aïe aïe, la Shudra. Mais c'est son Aishwarya Shakti qui a montré l'universel à l'intérieur, l'univers dans sa bouche. Krishna didn't know. Krishna ne le savait même pas. So when all of a sudden, instead of twisting his hair and giving him a slap, his mother embraced him. It was a big surprise. Et c'était une grande surprise pour Krishna de sentir qu'au lieu de se faire tourner l'oreille et mettre une claque, il s'est fait embrasser par Maria Shodha. Krishna was feeling great relief. Krishna était vraiment rassuré. At this time, I escaped. Et dit, j'ai échappé belle. She's not going to tie me up again like she did before. Sinon, elle allait encore m'attacher comme l'autre fois au mortier. So this is what it means to see everything in Krishna. Donc c'est ce que cela que ça veut dire de voir toute chose en Krishna. So two examples. Deux exemples. To see Krishna in everything is Prahlad Maharaj. He saw Nisingadeva in the pillar. And to see everything in Krishna means Madhya Shodha saw the whole universe inside Krishna. Ces deux exemples donc de voir Krishna en toute chose, c'est l'exemple de Prahlad Maharaj qui voit Narasimhadev dans le pilier, et de voir toute chose en Krishna, c'est l'exemple de Maria Shodha qui voit l'univers entier dans la bouche du côté Krishna. So this is the analysis of this verse by Srila Vaishnava Thakur. Ça c'est l'analyse de ce verset par Srila Vaishnava Thakur. Now we'll look at the verse according to the interpretation of Srila Jiva Goswami. Maintenant, nous allons voir ce même verset par l'interprétation de Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami Pad said, this verse is describing the vision of the Mahabharat, but four separate visions that the Mahabharat can have. Ce verset décrit quatre différentes visions que le Mahabharat il peut avoir. So the first one is Stava Jangama Dekina Dekitara Murti Sarvatra Hoi Nija Ishta Deva Spurti. When they look, they don't see the forms, they don't see the bodies of the entities around them, the trees and the people, they just see the Ishta Dev, the form of Krishna that they love. En fait, c'est Mahabhagavat, quand il voit le monde, il ne voit pas les formes des gens, des arbres, etc. Il voit seulement leur Ishtadev. But if their ecstasy goes down a little, then they see the forms of the trees and the people, but they see Krishna inside every form. Et si leur extase redescend un petit peu, alors ils vont percevoir la forme des arbres, des gens, mais ils verront Krishna à l'intérieur de chacun. So that is Sarva Bhuteshu Ya Pasyat, seeing Krishna in everything. Donc voir Krishna en toute chose. Then, puis, to see everything in Krishna, here in this interpretation, it means that they see that all living entities have surrendered to Krishna. Et de voir toute chose en Krishna dans cette interprétation, c'est de voir que toutes les entités vivantes se sont abandonnées à Krishna. Ils voient que toutes les entités vivantes se sont abandonnées à Krishna et aiment Krishna. So in that state, the Mahabhagavat, the Uttam Bhagavat, he does not preach because there's no one to preach to because everyone has prema. Donc dans à ce niveau de vision, alors le Mahabhagavat il ne prêche pas parce qu'il n'y a rien à prêcher vu que tout le monde a déjà de l'amour pour Krishna. So you should understand that all our great acharyas in our parampara, they are preaching doesn't mean that they are Madhyam Bhagavats, they are Uttam Bhagavats, but by the Kripa Shakti, the mercy potency of the Lord, their vision, their binoculars have been adjusted, that they can see the four different types of people and preach to them, reciprocate to them accordingly. Ne pensez pas que tous nos acharyas sont des Madhyam Bhagavat. Non, ils sont des Uttam Bhagavat. Mais simplement, la Kripa Shakti du Seigneur a modifié leur vision pour qu'ils puissent voir quatre différents types de gens et qu'ils comprennent comment relationner avec ces personnes. Because actually, by their nature, because of their prema, they see everyone has prema. Parce que par leur nature, par leur amour, ils voient que tout le monde a cet amour-là. So they don't see the specific details of the consciousness of each living entity. Ils ne voient pas les détails spécifiques de la psychologie des entités vivantes. Ah, j'en suis là, il est dans Maya, celui-là il est envieux. Just like if you have binoculars and they're set for looking at a distance, something which is close, you cannot see it.
tout comme si vous avez des jumelles et que vous regardez quelque chose de loin, quelque chose qui est plus près, alors vous n'arrivez pas à le voir. So if you want to see that which is a bit closer, you have to adjust the lens and then you can see it. Si vous voulez voir quelque chose de plus près, il va falloir ajuster la lentille pour pouvoir le voir. So the Kripa Shakti in them changes their vision from seeing everyone has prem to being able to discriminate who is a devotee, who is innocent and who is inimical. Et donc cette Kripa Shakti, elle ajuste la lentille du point de vue de voir tout le monde à du prema au point de vue de pouvoir discriminer. Celui-là est innocent, celui-là est très avancé, etc. So, that is the third level of vision. Donc ça c'est le troisième niveau de vision. Then, the fourth level of vision, le quatrième niveau de vision is that they see everyone has prema. But they see that everyone has the prem that they have. In other words, they see their own love in others. Et ils voient que tout le monde a de l'amour pour Krishna, mais ils voient l'amour que eux ils ont. Donc c'est comme une projection de leur prem sur les autres. Huh? So, is it clear to everyone? Okay, then we'll have a test. Okay, what are the, raise your hand, what are the four visions of the Uttam Bhagavat? Quelles sont les quatre visions de l'Uttam Bhagavat? Rasik Shekhar Das. He is not seeing the forms of this world, but he is seeing directly his Ishtadev. Uh-huh. Et donc il ne voit pas les formes de ce monde, mais il voit directement leur Ishtadev. Uh-huh. Then, if the ecstasy goes down, they see the forms, but they see their Ishtadev inside them. Puis, si leur ecstasy descend un petit peu, ils voient les formes, mais ils voient leur Ishtadev à l'intérieur. Then they see everything in Krishna. It means they see that everyone has love for Krishna and has surrendered to him. Yes. Et la vision que tout est en Krishna, ils voient que toutes les entités vivantes se sont abandonnées à Krishna et ont de l'amour pour lui. Then the fourth interpretation is that they see their own level of prema in the other. Et la quatrième interprétation, c'est qu'ils voient leur propre niveau de prema dans le cœur des autres entités vivantes. Try to hear like that. Essayez d'écouter comme cela. Like to catch the kata. Keep it in your heart forever. Essayez d'attraper la kata et de le garder dans le cœur pour toujours. So Srila Jiva Goswami Pad is giving some very beautiful examples. Srila Jiva Goswami Pad, il donne des exemples très beaux. What does it mean, Bhagavat Bhavam Atmana, to see one's own bhav in the other things? Qu'est-ce que veut dire voir son propre bhav dans les autres choses? So he's saying. Vahanalata astara va atmani vishnu vyanchayantya iva pushpa falatyaha pranata bharavita pamadutara primaristatana voba prishusmaha. This is a verse spoken by Braja Gopis, chapter 35 of the 10th canto, Yugal Geet. Dans la Yugal Geet, parlé par les Braja Gopis dans le 35e chapitre du 10e chant du Bhagavatam. See, Krishna has gone out to the forest. Sri Krishna est parti dans la forêt. And Gopis are staying in their homes. Les Gopis, elles sont dans leur maison. Some messenger gopis are going out looking, seeing what is Krishna doing, and then coming back and reporting to the other gopis. Certaines messagères, des gopis messagères, partaient dans la forêt pour voir où Krishna était et revenaient dire aux gopis ce qui se passait. Oh, when will that be our seva? Quand est-ce que ce sera notre service? Radhika is very eager to hear the news. What is Krishna doing now? Radhika est tellement anxieuse d'entendre les nouvelles. Qu'est-ce que fait Krishna? One gopi is telling Radhika. Gopi, elle dit à Radhika, that Krishna is playing his flute. Krishna joue de sa flûte. And when he plays his flute, then Vanalatastara Atmani Vishnu. In the forest, there are lata, creepers and trees. Lorsqu'il joue de sa flûte dans la forêt, il y a des arbres et des plantes grimpantes. There are beautiful trees and the creepers are growing on them. Il y a des très beaux arbres et le lierre grimpe autour de ces arbres. And when Krishna plays his flute, then
oh, all the trees and creepers, the buds appear. Lorsque Krishna joue de sa flûte, alors les petits boutons apparaissent sur tous les arbres et les lierres. Like Sattvic Bhav's hair standing on it. Tout comme le Sattvic Bhav où les poils se dressent. Eh? And then flowers blossom. Puis les fleurs vont éclore. Eh? Like the Bhav. They're like the Bhavs of the trees. Ils sont comme les Bhavs des émotions spirituelles des arbres. And the fruits appear on the trees. Puis les fruits apparaissent sur l'arbre. And then the trees become so full of fruit that the branches become heavy and they bow down. Et les fruits deviennent tellement nombreux et lourds que les arbres se courbent comme ça et se prosternent. And from the flowers, the nectar, honey is dripping. Et des fleurs, le nectar coule. So it seems that these trees, they are relishing rasa. Il semble que ces arbres goûtent le rasa. Because they have fruit, that is the prem sthayibhav. Parce qu'ils ont ces arbres, ces fruits, c'est le prem sthayibhav. They have tears. Ils ont les larmes. That is the sattvic bhav. Ce sont les sattvic bhav. So when the different types of bhavs appear and the, become very tasty, that is called prema rasa. Quand ces différents types de bhav apparaissent, alors ils deviennent pleins de goût et on appelle ça le prema rasa. So the gopis, they sing their own prema in the trees. Donc ces gopis, elles voient leur propre prema dans les arbres. Why? Pourquoi? Previously, they have very intense love for Krishna before the rasa lila, but they never had the chance to meet with him. Avant la Rasa Lila, elles avaient un intense amour pour Krishna, mais elles n'avaient aucune occasion de pouvoir le rencontrer. So that separation is called Purvarag. Cette séparation, the separation before having the chance to meet Krishna. Purvarag, cette séparation qui est la séparation avant d'avoir eu la chance de le rencontrer. But here in Srimad Bhagavatam, chapter 35, it's after the Rasa Lila. Mais là, dans Srimad Bhagavatam, au chapitre 35, c'est après la Rasa Lila. So though that Purvarag separation is very intense, but the separation that comes after meeting with Krishna, dancing with Krishna, and very beautiful pastimes in the private kunjas of Vrindavan, that separation that comes after that intimate union, it is completely intolerable. Même si la Purvarag était très intense, alors la séparation qui vient après avoir dansé avec Krishna, avoir embrassé Krishna, vous êtes diverti dans les kunjas avec Krishna, elle devient cette séparation complètement intolérable. So now their prema is a proud prema, fully mature. Donc là, maintenant le prema est complètement atteint complètement la maturité. Before, they used to hide their love for Krishna from their mother-in-law, husband, sister-in-law, and all the gurujan elders of the village. Avant, ils cachaient leur amour pour Krishna par rapport à leur belle-mère ou leur mari ou les ancêtres du village, les aînés. They try to hide it. Ils essayaient de cacher cet amour pour Krishna. Sometimes they're in the kitchen. Parfois, elles étaient dans la cuisine. Remembering Krishna, tears come from their eyes. Se souvenant de Krishna, alors des larmes coulent de leurs yeux. And then when they see the mother-in-law is coming. Et quand ils voient la belle-mère arriver, so they take some water and sprinkle it on the fire in the chula, in the stove. Et ils prennent vite de l'eau et ils le mettent comme ça sur la plaque chauffante. Then when the mother-in-law comes, are you crying? Have you been crying? Et quand la belle-mère arrive, tu pleures? Pourquoi tu pleures? But it's very smoky, the fire is very smoky. Non, ça fume là, ça pique les yeux. So they try to hide their love for Krishna from their relatives. Donc ils essayent de cacher leur amour pour Krishna de leur famille. Now, when we speak of the trees and the creepers, we always say trees first and then creepers. Lorsque nous parlons toujours des arbres et des lierres, nous parlons toujours des arbres en premier, puis des lierres. Bansi Bhatagokula Dira Samira Brindavana Taru Latika Bonira. Taru Latika. First the tree and then the creeper, because the tree is big and the creeper is small. Taru Latika. D'abord l'arbre, puis les lierres, parce que l'arbre est gros et les lierres grimpe aux arbres. The tree is big, but creeper is small. Yes. Donc l'arbre est gros, mais les petits lierres sont petits. But in this verse, gopis are saying, first lata, first the creeper, and then the tree.
Mais dans ce verset, les gopis, elles parlent d'abord des lierres, puis après des arbres. Why? Pourquoi? Because their emphasis is on the activity of the creeper. Parce que l'emphase est mise sur l'activité des lierres. Because the tree is like the husband, and the creeper is like the wife. Pourquoi? Parce que l'arbre c'est comme le mari et le lierre est comme la femme. Because tree is very big and strong, and wife is very soft and beautiful. And also embracing the tree. Pourquoi? Parce que l'arbre. So in poetry, it's they consider husband and wife. Dans la poésie, c'est comparé au mari et la femme, parce que le mari est très stable, très fort, et la femme est très belle et embrasse le mari. So now look at these two types of vision of the Mahabharata. One vision, every entity has taken shelter of Krishna. Donc cette vision du Mahabharata que toutes les entités vivantes ont pris refuge de Krishna. So. In that vision, the gopi will say, oh, when Krishna plays his flute, then the creeper and the trees burst into flowers. They're like a grihastha. Donc dans la vision des gopis, alors quand Krishna joue de la flûte, alors l'arbre et le lierre vont éclore ensemble. Ils sont comme des grihastha, un couple. In India, when the Hainam Sankirtan comes through the streets, then the grihasthas, they hear, oh, Kirtan is coming, and they're very happy, and the whole family comes outside, and they bow down to the Kirtan. Pendant, par exemple, le parikrama de Navadvipa, quand le Kirtan arrive dans le village, alors les grihasthas, oh, ils sont tellement contents, il y a un Kirtan, et toute la famille sort et vient offrir l'hommage. So the gopi is saying, oh, just see, when Krishna plays his flute, their trees and creepers are like grihastha couple, they become so happy, and they fruits come and then they bow down. Oh, donc les gopis disent, oh, regarde, dès que Krishna joue de la flûte, l'arbre et le lierre sont comme un couple de grihastha et les fruits viennent et ils offrent leurs hommages. So that is the perspective of seeing that all the living entities are taking shelter of Krishna. Ça c'est la perspective de voir que toutes les entités vivantes prennent refuge de Krishna. Now let's see the perspective of the Bhava of seeing the gopis' own love in every living entity. Maintenant, voyons la perspective du Bhav de voir l'amour de leur propre Bhav aux gopis dans le voir dans les autres entités vivantes. So now, the Rasalila has already gone. La Rasalila est finie. And the gopis are in their homes before they could hide their feelings, but now because their prema is so intense, they're very worried. I cannot check my feelings. My in-laws, my husband, all they will see. That I have love for Krishna, I cannot control it. Donc les gopis reviennent de Rasalila et là elles sont complètement emplies de leurs émotions spirituelles, elles ne peuvent plus les cacher, elles s'inquiètent et se disent mais mon mari va arriver ou ma belle-mère, je ne vais pas pouvoir cacher cet amour pour Krishna. So because she's feeling like this, when she sees the trees and the creepers, Atmani Vishnam, she says, oh, look at the lattice first before the tree. Et parce qu'elles ont ce mood-là, alors elles vont parler, voir d'abord le lierre avant les arbres. Because even though this creeper is the wife of the tree, this creeper is crying in ecstasy of love for Krishna and she cannot hide it from her husband. Parce que même si le lierre, c'est la femme de l'arbre, alors le lierre, il pleure d'amour pour Krishna, il ne peut pas le cacher à son mari. So this is the example of seeing the gopi is seeing her own love and her own feelings in everything. Ça c'est un exemple de voir comment les gopis, elles voient leurs propres sentiments en chaque chose. Srila Jiva Goswami Pad gives another beautiful example. Srila Jiva Goswami Pad donne un autre merveilleux exemple. Nadyastadata dupadarya makunda gita arvata lakshita manobhava bhagna vega alinganam stagita murmijara burja marare greenanti pariyugalam kamalopaharaha. The meaning is one gopi is in a home, we can say Radhika, and speaking with her sakis. Donc une gopi, on peut dire que Radhika est dans sa maison et elle parle à une autre gopi. And though Krishna is out on the bank of the Jamuna, by her heart she can see what he's doing. She has bhava netra, the eyes of ecstatic love.
Et malgré le fait que Krishna soit sur les berges de la Yamuna, par les yeux de son cœur, les yeux de l'amour pour Krishna, de l'amour extatique pour Krishna, elle peut percevoir et voir ce qu'il est en train de faire. She say, when Mukunda see Krishna, Mukunda, that means whose Mukha, his face is like a Kunda flower, very bright and shiny. Quand Mukunda, qui veut dire lorsque c'est celui qui a le visage qui est comme une fleur Kunda, très irradiant. Oh, Mukunda. Ou Mukunda. Mu means Mukti liberation. Mu veut dire Mukti la libération. Ku means Kusita. Oh, terrible. Ku veut dire Kusita, c'est terrible. Eh? If you see Krishna's face, you think, oh, Mukti is useless. Pourquoi? Parce que si vous voyez le visage de Krishna, alors pour vous la libération vous semblera quelque chose de terrible. Because da means Ananda. The Dhati. His face gives so much Ananda. Mukti is rubbish. Nirvana. Parce que Da, c'est Ananda. Nirvana. Donne beaucoup de joie et d'extase. Le Nirvana, la Mukti, ça va être comme quelque chose de terrible. So, when that Mukunda plays upon his flute, then the Jamuna is flowing. And when Jamuna hears, then the flow, no bhagna vega, the flow of the Jamuna is blocked. Lorsque Krishna joue de la flûte et que la Yamuna s'écoule, alors quand la Yamuna entend le son de la flûte de Krishna, alors elle se fige, le courant est bloqué. Because mano bhava bhagna vega, the effect of Cupid, the effect of love for Krishna is so intense, Yamuna becomes stunned, but at that point, but the water is still coming. So when that water stops and this is still coming, it makes whirlpools. Et parce que par le son de Krishna, la Yamuna devient complètement figée, le courant qui arrive en amont alors crée des turbulences, des remous. Radhika is thinking that the husband of the river is Samudra, the ocean. Radhika pense que le mari de la rivière est Samudra, l'océan. Because rivers always go to the husband, to the ocean. Pourquoi? Parce que la rivière coule toujours en direction de l'océan du mari. But in Vrindavan there is Parakya Rasa. The river, instead of going to husband, turns around and comes in the way to Krishna. Parakya Bhava. Mais à Vrindavan, il y a Parakya Rasa. C'est-à-dire qu'au lieu que la rivière coule vers le mari, alors elle change son courant. If you see the map of Jamuna, it comes down when it goes to Vrindavan, it goes this way and then this way. Si vous voyez la carte, it doesn't want to go to the husband. Vous voyez, quand elle arrive à Vrindavan, elle commence à faire ça et ça, et ça, elle veut plus aller vers son mari. But this Yamuna Devi, she's so fortunate that her husband, the ocean, is very happy. If my husband will see, I don't want to go to him, I want to go to Krishna, he'll be so angry. So Yamuna is very fortunate because her husband is not jealous. Yamuna, elle est vraiment très fortunée parce que son mari, l'océan, n'est pas du tout jaloux. Il est même content qu'elle s'arrête comme ça vers Krishna. Alors, et Radhika dit, mais moi, j'ai vraiment pas de chance parce que mon mari, s'il savait que je fais comme ça vers Krishna, alors il serait très jaloux. Krishna standing very close to the edge of the water. Ce Krishna est debout vraiment au bord de l'eau. So when the water comes past him, stops and then goes into a whirlpool. Alors, quand le courant arrive, il se fige et il commence à tourbillonner. Then Radharani is thinking, oh, look how she's trying to attract him. Et Radharani se dit, regarde comment elle essaye de l'attaquer. Why? Because gopis are like that. Parce que les gopis sont comme ça. If a woman is attracted to a man, she doesn't know, but she'll make some excuse to lift up her arms like this. Oh, I have to fix my hair. Oh, I have to fix this. Put one flower in decoration here. Somehow they'll try to lift up their arms like this. It's a natural psychology. Parce que la psychologie naturelle, si une femme sent qu'elle a de l'attirance pour un homme, alors elle va lever les bras, refaire son chignon, bricoler quelque chose là-haut. My ear is itching. Tiens, j'ai mon oreille qui me gratte. No one teaches them how to do this. It's nature. Ça c'est la nature, prakriti. Personne n'apprend aux femmes à faire cela. Stri swabhav, female nature. La nature féminine. So, if Krishna is coming, then gopis, what do? They pretend like they're ignoring him, but they take a clay pot of water and I'm going to collect some water from the Jamuna.
Et donc Krishna arrive et les gopis, elles font comme si de rien n'était, elles prennent un pot, elles remplissent de l'eau de la Yamuna et le mettent sur leur tête. So gopis, they don't wear saris, they wear lahanga and churiya, the veil. Les gopis, elles ont pas de sari. Like a gopi dress. Comme les gopi dress, c'est comme ça, pour ça qu'on appelle ça les gopis. So, when they pick up the pot like this, then their veil is going diagonally across their body. Et lorsqu'elles portent le pot sur la tête, les bras levés, alors leur voile coupe comme ça leur corps. But it may be covering the navel, the belly button. Et mais il couvre le nombril. So if Krishna is coming, they just pull it aside like this and tuck it in and make sure that he can then they belly button it. Et quand Krishna arrive, alors elle se remue un petit peu pour être sûre que Krishna puisse voir leur nombril. So when Radharani in her bath sees the whirlpool come in the Jamuna, she says, oh, the Jamuna is going like this. Donc, quand il voit les tourbillons de la Yamuna, alors elle pense, c'est ça, elle pense. Radharani, hein? Elle pense. Elle pense qu'elle montre son nombril à Krishna. So she's thinking, Mano Bhava Bhagav, just see how Jamuna is affected by Cupid comes in. Et elle se dit, oh, regardez, la Yamuna, elle est affligée par Kamadev, par Cupid. Not me. C'est pas moi, c'est Yamuna. The Avahita Bhav means the ecstasy comes, that you hide your own feeling and project on someone else. Donc il y a ce brave qui vient et nous cachons notre propre sentiment et nous les projetons sur quelqu'un d'autre. So Krishna is standing by the edge of the water, and when the water which is coming past him stops, then the other water is still coming, so the level goes up. Lorsque Krishna est debout sur les berges de la Yamuna, alors l'eau se fige et l'eau qui continue d'arriver en amont, alors se bloque également et donc l'eau commence à monter. Mano bhava bhagnave alinganast gita murmi bhujamarare. And because the level goes up, then he's standing by the edge. But then the waves rise up and wash over his feet. Et puisque Krishna est debout devant sur cette berge, alors l'eau monte et monte, puis les vagues commencent à venir baigner ses pieds. Oh look, now she's trying to embrace his feet. Regarde, maintenant elle est en train d'essayer d'embrasser ses pieds. Oh. Krishna, he's entering into the water. Krishna entre dans l'eau. And the waves, they come up to his chest and then go down again. Et les vagues montent jusqu'à son torse et redescendent. She's thinking, oh, actually, if Krishna were walking past me, I feel that I want to embrace him. Et elle pense, oh, si Krishna marchait près de moi, alors je pense que j'aurais envie vraiment de l'embrasser. But if he did not reciprocate with my embrace, I would be so embarrassed, I would have to fall at his feet and beg forgiveness. Mais s'il ne réciproquait pas mon embrassade, alors je serais obligé de me prosterner devant lui pour lui demander pardon. This is her feeling. So when she sees a big wave come and then go down like this, she says, oh look, the river tried to embrace him, but because he ignored her, now she's ashamed and she's gone down to his feet. Et là, il dit, oh, parce que regarde, la rivière est montée jusqu'à son torse, et parce qu'il n'a pas réciproqué avec la rivière, alors elle s'est prosternée à ses pieds. And the whirlpool of Jamuna has twisted the stem of the lotus flower and broke off. The lotus flower and the wave is carrying it to his feet like an offering. Et les tourbillons ont cassé la tige des fleurs de lotus et les petites vaguelettes apportent les lotus jusqu'au pied de Krishna. So, this is the not only seeing all love Krishna, but seeing all love Krishna in your own mood. Donc ce n'est pas seulement voir que tout le monde aime Krishna, mais c'est que tout le monde aime Krishna avec notre propre mood. When Krishna comes out from the river Jamuna, quand Krishna sort de la rivière Yamuna, then he's playing in the forest. Alors il joue dans la forêt. Krishna decides, oh, now evening is coming, it's time to return to the village. Krishna, il décide, oh, maintenant il est tard, il est temps de retourner au village. Tahi bhagna gata yaha saritohuve tat padambujara jo nilanitam spriyati vayam
Iva Bhupunya Prima Vipatubu Jasti Mitapaha. One gopi is saying, just see, when Krishna plays his flute, then the waves in the Jamuna become stunned. Une gopi dit, regarde, lorsque Krishna joue de sa flûte, alors les vagues de la Yamuna deviennent figées. And the wind blows. Le vent souffle. And the wind is carrying some dust which was kicked up into the air by Krishna as he was walking. Et la brise transporte de la poussière qui s'est soulevée sous les pas de Krishna qui dansait. Yamuna was thinking, oh, Krishna's calling my name. Yamuna pensait, oh, Krishna appelle mon nom. But actually he wasn't. Mais en fait, il ne le faisait, il n'appelait pas. Just like, if you can imagine, there's some person, and you love that person very much. Comme imaginez, il y a cette personne que vous aimez tellement. But that person never talks to you, ever. Mais cette personne ne jamais ne vous parle. So then, one day, that you see that person in the distance. Et un jour, vous apercevez cette personne au loin. And they call you by your name. Et ils vous appellent par votre nom. Hey, so and so Dasi. Hey, Dasi, Dasi. And then you go, oh, he's finally calling me. Oh, ça y est, enfin il m'appelle. But then there's another person who has the same name was just standing behind you. He was actually calling that person. En fait, il y a une autre personne qui a le même nom que vous et qui était juste derrière vous. Et en fait, c'est cette personne qu'elle a appelé. So then that person comes running. Then you. Alors cette personne arrive en courant et là vous êtes désespéré. Then you feel great disappointment. Donc vous êtes vraiment désappointé. So the gopis are saying, oh, Yamuna is like that. Donc les gopis disent la Yamuna elle est comme cela. Why? Because when Krishna was in the forest, he decided it's time to return to the village now. So then he's calling his cows by his flute. Pourquoi? Parce que quand Krishna avait fini sa journée dans la forêt et qu'il devait retourner au village, alors il a pris sa flûte pour appeler ses vaches. Hey Padmagandhe, hey Shamali, he's calling the different cows by name. Et il appelle les différentes vaches par leur nom. So one of the cows of Krishna's name is Kalindi. Une des vaches de Krishna s'appelle Kalindi. So Krishna is calling, hey Kalindi, come on, come on. Krishna appelle, hey Kalindi, viens, viens. But Kalindi is also a name of Yamuna. Kalindi, c'est aussi un nom de la Yamuna. So then Yamuna, Krishna is calling me. Alors la Yamuna, oh, Krishna m'appelle. But then the cow Kalindi came running and Krishna left. Et la vache Kalindi est arrivée et Krishna est parti avec. So then the Yamuna, she is very sad. Alors la Yamuna est très très triste. And only as Krishna was leaving, some dust came in the air and the wind was carrying that dust. And then the dust of Krishna's lotus feet touched Yamuna. Et alors que Krishna partait, la brise a emporté de la poussière qui a été soulevée par les pas de Krishna et est arrivée sur la Yamuna. And just as in the river you see the waves are trembling. So just as that young gopi is thinking, if this happened to me, then I could not move, but my arms would be trembling like this. Et tout comme quand on regarde une rivière, elle tremble avec les vagues. Alors la gopi pensait, si ça m'arrivait que la poussière était transportée sur moi, alors je tremblerais. By the trembling with the prayer in separation. Je tremblerais par l'amour de la séparation. So is Yamuna actually feeling all of these things or not? Donc est-ce que la Yamuna elle ressent toutes ces choses ou pas? We cannot say. On ne peut pas le dire. But because the gopi is having such emotions, she's seeing her own emotions in the Yamuna. Mais parce que les gopis ont ces émotions, elles voient leurs propres émotions dans la Yamuna. So that is the example of seeing one's own sarva bhute suya pasyat bhagavat bhav atmana, seeing one's own bhav in other things. Ça c'est l'exemple de voir son propre bhav dans d'autres choses. Jiva Goswami gives some more examples from Mahishi Gita. Jiva Goswami donne d'autres exemples de la Mahishi Gita. Mahishi Gita are 10 verses spoken by the queens of Dwarka. Ce sont 10 versets qui ont été parlés par les reines de Dwarka. Once Krishna was in Dwarka. Un jour Krishna était à Dwarka. And he went into a very beautiful pond there
with a queen and her maidservants. Il est allé dans un petit lac avec la reine et ses servantes. They're playing in the water, splashing. Et ils s'amusaient dans l'eau à s'éclabousser. Krishna has a pitchkari, you know, and like a water squirting. Krishna, il a une sorte de gros pistolet à eau. And he's dipping it in the water, sucking the water, and spraying the queens. Comme une grosse seringue, il aspire l'eau et puis. And the queens, they're tired of being sprayed by Krishna. So on the pretext of trying to wrestle the pitchkari from Krishna's hands, they're embracing him. Their purpose is not to take the pitchkari. That is only the excuse. It is only to embrace him. Et les reines qui prennent comme excuse, oh, on en a marre d'être éclaboussées. Donc elles font comme si elles allaient prendre la grosse seringue à Krishna, mais en fait c'est une excuse pour l'embrasser. So they become so overwhelmed in prema. Elles sont tellement immergées dans le prema. That in that moment, separation comes. That is separation in meeting. When meeting is very anurag, becomes very intense. Then the feeling of separation appears. Alors, au moment où elles embrassent Krishna, elles ressentent tout de suite cette séparation. Quand l'anurag devient tellement intense que la séparation vient dans l'union. Na bina vi plambena samboga pushtimashtute means without separation, the joy of meeting cannot be nourished. So separation nourishes meeting. But when anurag becomes mature, then meeting nourishes separation. Donc la séparation nourrit l'union. Mais quand l'anurag devient mature, alors l'union nourrit la séparation. So though they were there with him, then they felt separation and they felt, oh, Krishna's gone far away. Alors qu'elles étaient avec lui, alors elles ont senti la séparation, elles se sont dit, oh, Krishna est parti très loin. It was daytime. C'était le jour. They were outside and they were with Krishna. Ils étaient avec Krishna. But in separation they felt as if it were nighttime. Mais dans la séparation, ils avaient l'impression d'être la nuit. And they were lying alone in their beds. Ils étaient allongés toutes seules dans leur lit. And Krishna has gone on some mission in a far away country. Et Krishna était parti en mission dans un pays lointain. This is called prema vaichitya. C'est ce qu'on appelle prema vaichitya. Separation in meeting. La séparation dans la rencontre. Krishna can see them, but they become stunned. Krishna peut les voir, mais elles sont complètement figées. They're with him, but they think, oh, it's night time, I am alone in my bed, awake at night, and Krishna is gone far away. Elles sont là avec lui, mais elles ressentent, je suis dans l'obscurité, dans toute seule dans mon lit, et Krishna est parti très loin. So in that intense prema, one Mahishi queen, she's speaking to a Kurari bird. Donc dans cette intense séparation d'amour, alors une de ses reines parle à un oiseau Kurari. Hey Kurari bird, why are you singing in the middle of the night? Hey oiseau Kurari, pourquoi est-ce que tu chantes au milieu de la nuit? Huh? Why don't you go to sleep? Pourquoi est-ce que tu vas pas te coucher? Oh, I know why you cannot sleep. Je sais pourquoi tu ne peux pas dormir. Because your heart has been pierced by the beautiful glance of the son of Vasudeva. Parce que ton cœur était percé par le beau regard du fils de Vasudeva. Is that why the Kurari bird is singing at night? Est-ce que c'est pour ça que l'oiseau Kurari chante la nuit? Non. But she sees her own mood in everything. Mais elle voit son propre état d'âme, état d'esprit en toutes choses. Another queen said, "Oh mountain, you are not moving and you are not talking." Oh montagne, tu ne bouges pas, tu ne parles pas. Why? Pourquoi? You must be pondering something very deeply. Tu dois vraiment en train de méditer sur quelque chose de très profond. Hey, mountains don't move and talk. But if a person is not moving and not talking, then they must be deep in thought. Et bien sûr, une montagne ne parle pas et ne bouge pas, mais si une personne ne bouge pas et ne parle pas, alors c'est qu'elle doit être immergée dans ses pensées. So, because she's deep in thought, she's thinking, why are you not moving and talking? You must be deep in thought like me. Et parce que elle-même, cette reine était plongée dans ses pensées en voyant la montagne qui ne bougeait pas et qui ne parlait pas, elle dit, elle doit être plongée dans ses pensées. So, she's thinking, oh,
you must be thinking that you on the two peaks of the mountain, you want to hold Krishna's lotus feet. Tu dois penser que entre les deux pics de la montagne, de ta montagne, tu veux embrasser les pieds de lotus de Krishna. Because she is thinking herself, she wants to hold the lotus feet of Krishna on her heart. Parce qu'elle voulait porter les pieds de Krishna sur son cœur. So she is projecting that on the mountain. Et elle projette cela sur la montagne. So actually, those in Raganuga Bhakti, they don't do Dwarka Dhyan. Meditation on the Mahishis in Dwarka. Donc les Raganuga Bhakta, ils ne méditent pas sur les divertissements de Krishna à Dwarka. Because it is particular, unfavorable for the mood of Vraja. Parce que ce n'est pas favorable pour développer le mood de Vraja. But mais Mahaprabhu used to recite these verses and speak and meditate on these verses in the Gambira. Mais Mahaprabhu dans le Gambira parler et méditer sur ces versets particuliers. So once I asked Gurudev, oh Gurudev, the meditation on the queens of Dwarka is unfavorable for Raganuga Bhakti. Why is Mahaprabhu remembering these verses in the Gambira? Une fois j'ai demandé à mon Gurudev, on sait que les divertissements de Krishna à Dwarka ne sont pas favorables au développement du mood de Vraj, mais on voit que Mahaprabhu dans le Gambira médite sur ces versets. So Gurudev said that the bhavs of the Braja Gopis are very confidential. Gurudev a répondu que le bhav des Braja Gopis est très confidentiel. So Shukadev Goswami has not expressed the prem vaichitya of the Gopis in Srimad Bhagavatam, but he expressed the prem vaichitya of the queens of Dwarka, so that through that, by comparison, you can get a glimpse into the prem vaichitya of Gopis. Donc Shukadev Goswami, parce que c'est un sujet extrêmement intime, il n'a pas exprimé le prema des Vraj Gopi à Vrindavan, mais prem vichitya des Vraj Gopi à Vrindavan, mais a exprimé le prem vichitya des reines de Dwarka, pour qu'on puisse faire la comparaison et qu'à travers ces divertissements des reines de Vrina, de Dwarka, on puisse comprendre les gloires du prema des gopis de Vraj. Yes, that means if the queens of Dwarka, their prema vaichitya is this much, then how much more is the prema vaichitya of gopis and Radhika? En d'autres mots, si le prema vaichitya des reines de Dwarka est à ce niveau-là, alors que dire du prem vaichitya des gopis de Vraj? À quel niveau il doit être? So gopis will also hearing the birds in the night think like this, or seeing a mountain they will think like this, but with more deep love even. Bien sûr, les gopis en entendant les oiseaux ou les montagnes auront ces mêmes sentiments, mais bien plus profond que celui des reines de Dwarka. For the gopis of Vrindavan, anurag is not even the highest love. They have rudabhav, adi rudabhav, and Radhika has mohan and modan mohan and madanakya mahabhav. So they have so many levels above this, the gopis have. Donc les gopis, elles ont des niveaux tellement supérieurs d'amour pour Krishna, bien supérieurs à celui des reines de Dwarka. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Sadhanatan Goswami the levels of devotees according to faith, and then the levels in Vaidimark and then in Ragamark. Donc de cette façon, Chaitanya Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami les différents niveaux de dévots dans le Vaidhi Bhakti et dans le Raganuga Bhakti. And by this he is showing what is our goal, to get to that stage of the Uttam Bhagavat, to have such brain, seeing Krishna everywhere, in everything, everything in Krishna, everything loving Krishna, or everything loving Krishna in your own mood. And this is our goal of life. De cette façon, il nous montre quel est le but de la vie, de ce niveau de Uttam Bhagavat qui voit toute chose en Krishna, qui voit Krishna en toute chose, qui voit l'amour de Krishna en toute chose et qui voit son propre amour pour Krishna en toute chose. So now Mahaprabhu will continue to explain about the qualities of pure devotees. Puis Mahaprabhu va continuer à expliquer les qualités du pur dévot. So
will come back on the bank of the Ganges at the Manikarnikara Ghat with Sanatan Goswami and Mahaprabhu tomorrow morning. Donc on reviendra sur les ghats du Gange à Varanasi avec Sanatan Goswami et Chaitanya Mahaprabhu demain matin. Manikarnikara Ghat. Manikarnikara Ghat.